Le micro est allumé? C'était fait exprès, naturellement, parce que comme t'as pas d'erreur chez nous, tout est toujours calculé. Bonsoir, c'est le bénéfice du doute numéro 15. Enquête sur un gourou, Jacques G. Qui est ce mystérieux Jacques G? Nous verrons tout à l'heure lorsque je donnerai la parole à notre invité. Alors voici le petit mot de l'éditorial. Les sceptiques et zététiciens se manifestent par leur critique envers des discours qui imitent la science, qui prétendent apporter des preuves de phénomènes hautement discutables, mais qui abusent des fallacies dans lesquelles il devient difficile de faire la part des choses. Beaucoup d'entre nous parlent de paranormal parce qu'ils trouvent ça intéressant. Ils sont agacés par les sempiternelles promesses de dévoilement des médiums, des extralucides et des gourous. Les sceptiques et zététiciens concoctent des débunkages, rédigent des livres, des articles, critiques, relèvent des abus rhétoriques, dénoncent des impostures et militent pour la prudence dans nos aspirations à dire qu'on a la réponse aux questions qu'on se pose. Mais les sceptiques et zététiciens ne traitent pas tous les sujets et on le leur reproche. Par exemple, eh, dis donc, pourquoi s'attaquer à Didier Raoult et pas au laboratoire Gilead? Se demandent certains. La question est valide et la réponse tient dans ce que je viens de vous dire. Le champ de compétences des zététiciens est, lorsqu'il existe, dans l'analyse des discours et la détection d'éventuels écarts entre les faits disponibles et les allégations proférées. Indépendamment de notre volonté, sans qu'on ait rien demandé à personne, Didier Raoult nous a abondamment fourni des occasions de relever de tels décalages entre les informations disponibles et les allégations proférées. Les infos disponibles permettent à des gens modérément compétents en sciences de prononcer une critique pertinente. Quant à Gilead ou Gilead, je ne sais pas comment on prononce, à Big Pharma en général, aux puissances économiques, aux officines et autres groupements d'intérêts, il ne serait pas étonnant que des cachotteries et mauvais coups méritent d'être dénoncés. Mais qui est armé pour le faire? Qui a les compétences? Si les zététiciens, comme nous, n'enquêtent pas sur les magouilles, les escroqueries, les montages financiers, ce n'est pas parce que de telles choses n'ont pas d'importance. Au contraire, ça demande des compétences, des outils, une formation qui n'est pas la nôtre. Nous arpentons un terrain qui est épistémique et pas judiciaire, pénal ou fiscal. Il ne faut pas nous demander de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire correctement, s'il vous plaît. Il nous faut des journalistes d'investigation, formés, épaulés par une rédaction qui leur ouvre les portes et s'assure du recoupement des infos, experts dans la recherche d'informations, dans la protection des sources, exploitation des données publiques, l'art d'interroger les témoins. C'est ce travail-là qui permet, en définitive, d'établir des dossiers qui peuvent amener devant la justice les manipulateurs. Les tribunaux, il me semble, ne condamnent pas les gens parce qu'ils ont une épistémologie avariée ou des querelles avec des débunkers. En revanche, on condamne l'exercice illégal de la médecine, l'abus de faiblesse, le détournement de fonds et des activités étonnamment récurrentes dans la carrière des gourous. Notre invité ce soir, c'est Paul Conge, journaliste à Marianne, qui a mené une enquête de ce genre à propos d'un certain Jacques G., astrologue, conférencier, soi-disant alchimiste et expert dans la science des anciens et prolixe informateur de la révélation des pyramides. Paul Conge a écrit un livre dont on va parler un petit peu, Les Grands Remplacés, en 2020. Bonsoir Paul Conge. Alors il faut vous Eh bien, démuter, c'est parfait. bonsoir Thomas. Comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je rentre du tribunal où j'ai pu côtoyer un de vos conspirationnistes chéris. Voilà, c'est Monsieur Guinaud qu'on a reçu, Monsieur de Stop Mensonge, on pourra en reparler. Est-ce que l'éditorial dit des trucs qui vous conviennent pas ou est-ce que ça va? Non, c'était très bien. Effectivement, je pense qu'il faut faire une distinction entre le travail que vous faites de vulgarisation scientifique et le travail des journalistes. Je pense que c'est vraiment, on évolue sur deux planètes quand même assez différentes. On n'a pas les mêmes exigences et on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Et pas les mêmes grilles de lecture. Alors du coup, on va parler un peu de votre métier, parce que c'est pas le nôtre, on ne sait pas comment ça marche. On n'est pas avare de critiques envers les journalistes, nous les sceptiques en général. Il y a quelque temps la tribune No Fake Science qui est mal passée. Alors ça partait d'un bon sentiment, mais de toute évidence, il y avait un décalage dans la manière de formuler la critique qui n'est pas passée. Il faut espérer que cette critique-là puisse se formuler de manière un peu plus intéressante. Mais bon, ce travail-là, il faut le faire bien. Comment ça se fait, ce travail de journaliste d'investigation? Comment dire? C'est vrai que nous, notre cœur de métier, c'est effectivement de faire de l'enquête, c'est-à-dire de mettre en œuvre
tout un tas de techniques pour raconter, dévoiler des histoires secrètes ou plus ou moins secrètes. On va enquêter sur quelqu'un, sur une association, une entreprise. Et le travail, vraiment, c'est un travail déjà qui met du temps. Il s'agit de, quand on enquête sur un sujet, il s'agit de se documenter, d'aller chercher les interlocuteurs, d'interviewer des sources, de faire en sorte qu'elles vous confient des témoignages, de première main, des informations, des documents qui ne sont pas censés forcément vous donner non plus au départ. Ça peut être documents internes à une entreprise, ça peut être, je sais pas moi, un procès-verbal dans le cadre d'une interpellation, ça peut être une ordonnance de renvoi dans le tribunal correctionnel. Voilà, notre boulot, ça, c'est d'agglomérer toute cette information brute-là, de tailler dedans et ensuite de raconter vraiment l'histoire. Et je pense que le travail, s'il est bien fait, permet de montrer un peu la face cachée de certaines choses, certains phénomènes. Et ça nous permet aussi de sortir de la rumeur, de recroiser, de recouper des informations. Et je pense qu'il y a seuls les journalistes, parce que c'est notre métier, on a le temps, sans doute aussi un peu de la légitimité et l'expérience pour faire ce travail. Et donc ce travail, parce que comment dirais-je, nous, on est capable de dire quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bien sourcé. On n'est pas capable de dire quand quelqu'un est malhonnête, qu'il trompe les gens ou que c'est un escroc. C'est pas. Alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a, et ça sera on verra avec l'exemple en question, quand on a quelqu'un dont on soupçonne que au-delà de dire des choses qui sont pas vraies, pas vérifiables, il n'est pas honnête. Oui, alors effectivement, c'est un problème qu'on rencontre souvent. Déjà, pour prouver que quelqu'un ment, il ne suffit pas juste d'avoir son discours. On peut éventuellement, évidemment, le mettre en perspective avec des faits, des documents, des choses comme ça, mais souvent, ça nécessite quand même d'aller interroger des personnes qu'il connaisse, d'aller solliciter son entourage, ses collaborateurs, des gens qui travaillent avec lui, qui permettraient éventuellement de mettre en avant qui raconte n'importe quoi, quelque part, c'est presque un travail de policier. Vous voyez, quand je sais pas, vous avez une scène de crime, vous Oui. avez une guerre de gang qui a débouché sur la mort de quelqu'un, et ben on va solliciter tous les témoins oculaires, toutes les personnes qui ont participé à la bagarre, toutes les personnes qui connaissent éventuellement les protagonistes, et on va prendre ce temps de construire des questions qui sont pertinentes, et ensuite. Si on arrive à obtenir des réponses qui contredisent ce qu'a raconté une première personne sur, par exemple, le déroulement d'un événement, eh ben, on pourra la mettre face à ses contradictions et effectivement, quelque part, dire qu'il mente. Je peux vous citer, par exemple, je me rappelle, vu que là, on est dans une phase de pandémie, qu'il y a eu beaucoup d'allégations autour du port du masque et de la manière dont le gouvernement a traité cette problématique-là. Je me souviens qu'en avril 2020, Mediapart, un journal d'investigation, sort une grande enquête sur la manière dont l'État a géré l'approvisionnement en masques. Et là, documents confidentiels à l'appui, témoignages de première main à l'appui, ils arrivent à démontrer qu'effectivement, déjà, la politique d'approvisionnement avait été calamiteuse. Et qu'en fait, derrière tout ça, il y avait effectivement un mensonge d'État. Et d'ailleurs, c'était, je crois, le terme qu'ils avaient utilisé dans le titre de leur article. Ouais. Donc, ouais, voilà, notre travail consiste aussi à faire ça. Alors, c'est pas que je veux les défendre, mais j'ai eu des retours aussi par rapport à ces questions-là. Il y a mensonge d'État sur la manière dont a été géré les stocks et le fait que c'était pas bien prévu. En revanche, sur la communication, sur l'utilité ou non des masques, il s'était référé à ce qui s'est aux infos disponibles par rapport au SARS précédent, où les données scientifiques ne validaient pas un écart important. Un intérêt du port du masque. C'est ce qu'on m'a eu, c'est ce que j'ai eu comme Oui, info. J'ai pas été vérifier ça, mais c'est pas qu'ils ont là, c'était juste dans menti. la gestion. Voilà. En revanche, là-dessus, voilà, sur la gestion, en gros, ils n'ont pas assumé le fait que c'était mal géré avant, quoi. Et parce que les équipes actuelles sont finalement pas différentes des équipes d'avant. Parce que le changement, Ah, c'est. si je peux ajouter quelque chose sur peut-être la différence qu'il peut y avoir entre, disons, vulgarisation et, enfin, disons, zététicien et journaliste, il y a aussi une chose importante, c'est que nous, on respecte quand même certaines lois, certaines règles, notamment le principe du contradictoire, le croisement des sources, le droit de la presse, et aussi le droit de réponse. Typiquement, quand on écrit quelque chose sur quelqu'un, la loi autorise automatiquement la personne concernée à faire valoir auprès de la publication un droit de réponse et donc de voilà, répondre point par point si elle ou il le souhaite aux allégations contenues dans un article. Ça, c'est important.
d'avoir ça, parce que quand vous faites ça sur un blog, le blog n'est aucunement soumis au droit de réponse. Oui. Encore que, enfin, pour être, enfin, en gros, on m'attaque en diffamation et alors que je ne suis pas journaliste et parce que je n'aurais pas respecté un droit de réponse, etc. Bon, ça, chers amis, je vous en parlerai plus tard, mais pas ce soir. Lorsqu'on s'intéresse, on va parler dans la partie 2 de pourquoi s'intéresser à Grimaud, mais avant d'en arriver à lui, il y a la question de, vous avez écrit un article où vous parlez de gourou. Et Ouais. moi-même, j'utilise le mot parfois, le problème c'est que, à partir de quel moment on s'autorise à dire que quelqu'un est un gourou? Bonne question. Si je me rappelle bien dans l'article, ce terme était utilisé en titre, hein, je crois, le gourou des pyramides, ça qu'on avait utilisé. Pourquoi? Parce que déjà, ce terme avait été employé par plusieurs des personnes que j'avais interrogées au sujet de Jacques. Aussi parce que en fait, gourou a certes une charge négative, mais en réalité, gourou, ça veut dire maître spirituel. Et je pense que dans le cas, l'enquête que j'ai faite sur lui démontre qu'il était quand même dans cette position de maître spirituel. Il avait quand même des disciples, des adeptes, hein, des personnes qui suivaient, voire l'adulaient. Donc ça ne me paraissait pas excessif. Et voilà, bon, bah, c'est pas une insulte, hein, accessoirement. Hein. Bah, initialement, le mot n'est pas connoté négativement. Il est devenu parce que dérive sectaire, par chez nous, on utilise ce mot pour parler des gens qui manipulent. Donc, gourou est devenu manipulateur. Et dans le cas de Jacques Grimaud, hein, on va pas faire comme si on ne savait pas de qui on parle, la question se pose. Mais parce qu'il y a d'autres gens actuellement qui sont dans la ligne de mire de la Miviludes. On pourrait dire deux mots de Casasnovas. Il y a le monsieur de Stop Mensonge, on pourrait aussi dire. C'est compliqué parce que. Il n'y a pas de. À part dire escroc, mais là on est dans la diffamation et c'est compliqué. Ah ouais. Manipulateur, mais comment on définit? Gourou, c'est compliqué de définir ces choses-là parce que il faut pas que nous on se substitue à la justice. Dans quelle mesure les Bien sûr. journalistes ne vont pas un peu trop loin dans leur Ouais. manière de présenter les choses? Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, bon, gourou, c'est pas quelque chose qui est réprimé par la loi, hein. C'est juste un terme qu'on accole comme ça à un chef spirituel. Après, c'est vrai que nous, bon, c'est vrai qu'il y a un travers journalistique qui consiste à quand même très souvent avoir besoin d'expressions qui claquent, de titres qui interpellent. Donc, c'est des expressions qu'on va mettre surtout dans les titres. C'est vrai pour appâter un peu le chaland. On va pas se cacher, c'est vrai. On a besoin de titres qui attirent parce que dans la masse de titres d'autres médias qui foisonnent en ligne, vous avez besoin aussi un peu de vous démarquer. Bon, ça se discute, mais voilà. Après, dans l'article en général, c'est des expressions qu'on utilise assez peu en général. Hein. Après, je ne parle pas pour tous les titres, mais en tout cas personnellement, j'essaie d'éviter. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans la manière de. Est-ce que. Attendez, en fait, je vais aller lire la question. Quelqu'un m'a envoyé une question qui était très bien tournée. Elle est un peu longue, mais je vais quand même la lire. C'était Laurent. Donc, dans la question de pourquoi faire un article sur Jacques Ribault, ce sera dans le 2, il y a le fait que il y a des sujets sur lesquels on a vu pas mal de gens faire un travail sur les réseaux. Je parle des débunkers et des zététiciens. Et puis, les journalistes sont arrivés plus tard. Il dit voilà. Pourquoi un décalage récurrent entre Internet et la presse? Les décodeurs du journal Le Monde, lors de leur lancement, font directement référence à LRDP, donc le film dont on parle, la révolution des pyramides. Libération, dit-il de mémoire, fait un rapide portrait au Vitriol, mais c'est déjà beaucoup plus tard. Et il faut le rebond autour de la sortie de Squeezie en 2018, qui a fait une vidéo où il parle du film de manière un petit peu élogieuse, pour revoir Internet s'emparer du phénomène et raviver le cas donc LRDP. Ensuite, on a Thierry Casasnovas avec ses légumes anti-cancer. Bref, on a l'impression que qu'on voit les choses se faire, qu'il y a des critiques qui se font et que la presse arrive 6 mois, 1 an plus tard. Est-ce que c'est pour le temps de l'enquête ou c'est parce que juste vous ne voyez pas ce qui se passe? Je pense que la réponse est plutôt qu'on ne voit pas ce qui se passe. Mais on est très influencé en fait par ce qu'on voit sur ce qu'on lit sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que tous les journalistes sont sur Twitter, hein, typiquement. Et il faut quand même que ça vienne à leur attention pour qu'ils s'y intéressent. Encore faut-il que les journalistes ne bloquent pas tout le monde sur Twitter. Je dis ça pour les quelques conspirationnistes du monde. Je les embrasse. Oui. Non, mais. Et comment dire, enfin, vous savez, les enquêtes, les sujets qu'on traite, c'est quand même très très souvent c'est souvent une coïncidence, un hasard de calendrier, des gens qui nous parlent de quelque chose et on s'y intéresse. Il n'y a pas de. À moins d'être un grand spécialiste du sujet, c'est assez rare que vous allez avoir vous-même l'initiative d'enquêter sur quelque chose, quoi. Moi, sur Grimaud, c'était
c'était presque par hasard. Ouais, et d'ailleurs, je me rappelle très bien le moment où Squeezie avait sorti ça, avait fait sa vidéo. Je crois que 3 jours avant, je venais de boucler une enquête sur Grimaud et qu'on a publié parce que Squeezie, effectivement, avait fait cette vidéo. Ouais. Donc après, il y a aussi le contexte, que le travail est en cours et puis on profite du fait qu'on en parle parce qu'on sait que ça va avoir de l'écho. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une accroche d'actu aussi en journalisme. Voilà. On a besoin de ça parfois. Donc, est-ce que, au-delà de l'investigation, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le métier parce que, en tout cas, de l'œil sceptique sur les réseaux, on a vu parfois des journalistes traiter un sujet avec des a priori et ne traiter le sujet que d'un côté, que à charge, contre telle ou telle personne. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de méthode pour éviter les limites de confirmation. Donc, dans le cas de Jacques Grimaud, j'ai le même a priori que vous, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, mais je n'ai pas enquêté. Dans quelle mesure vous avez enquêté à charge et à décharge pour pouvoir les deux cas? Et dans quelle mesure votre travail en général, parce que là on est dans la partie 1, on fait le généralité, dans quelle mesure les journalistes d'investigation font attention à ne pas juste confirmer leurs soupçons de départ? Alors c'est une très bonne question. En vrai, évidemment, tous les journalistes ont des biais, des préjugés, comme absolument tout le monde. Et je pense que leur travail consiste aussi à les mettre un petit peu à l'écart dans les sujets qu'ils traitent. Ça ne va pas être non plus être de la neutralité axiologique absolue, comme ce qu'on attend en sciences sociales, par exemple. Mais très souvent, les journalistes ont une formation en sciences sociales qui leur a appris peut-être un petit peu ce recul critique. N'empêche qu'on a quand même des garde-fous qui nous permettent aussi d'éviter d'être... empêtré dans nos biais, dans nos préjugés, et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le respect du contradictoire. Et dans toute enquête, on enquête à charge et à décharge, toujours, quelque part. On donne toujours la parole à la partie adverse, systématiquement, oui, mais et on souligne tous les points qu'on a. C'est pas forcément suffisant, parce que si on tend, si on tend le micro à quelqu'un qui sait pas s'exprimer, ou qui va être dans une réaction, qui sont agressés, donc il va être agressif, parce que M. Grimaud est agressif, peut-être qu'il a des raisons d'être, je ne sais pas. Là, je suis un charitable. Hein. Typiquement, c'est compliqué lorsqu'on voit... j'ai vu l'émission Enquête exclusive sur le cas Didier Raoult. Il a refusé de s'exprimer, donc on lui a donné la parole, mais il n'est pas prise. Tout le sujet est à charge. J'ai retrouvé dans ce sujet des choses que moi je connaissais par ailleurs, ça m'a confirmé dans ce que je croyais. Peut-être que je n'ai pas entendu des paroles qui auraient pu mettre en contexte des choses et me dire finalement, là, oui, en effet, c'est faux, mais quand même, il n'est pas totalement tort ou il est honnête dans sa démarche. Et ça, on ne l'a pas vu. Et bah, comment on fait pour couvrir un sujet, quoi ? Non, après, il y a aussi du bon et du mauvais journalisme. Hein. Normalement, dans un papier, un article, un documentaire ou que sais-je, il y a toujours, normalement, un équilibre entre les paroles, les différentes paroles données dans un article. Si tout dans un reportage va dans le même sens, normalement, ça ne devrait pas être validé par une rédaction en chef. S'il n'y a absolument aucun élément à décharge sur quelqu'un, normalement, c'est pas censé être validé. Enfin, vous êtes soumis déontologiquement à au moins contrebalancer un chouïa. Après, effectivement, si vous avez des révélations incroyables sur quelqu'un, sur un ministre, et que ça, effectivement, que ça accable ce ministre, bah, vous y pouvez rien si ces informations-là l'accablent. Tout ce que vous pouvez lui faire, c'est lui donner la parole et il réagira autant qu'il faudra et vous lui donner la place qu'il mérite au sein de votre enquête. Alors, je précise j'ai proposé il y a 2-3 jours dans un billet sur Facebook à M. Grimaud d'apporter son réponse dans la forme prévue. J'ignore s'il l'a vu, mais comme il m'a bloqué partout, je ne peux pas savoir. Il avait fait un passage sur Twitter, donc j'aurais pu le faire, mais il a disparu de Twitter après s'être rendu compte qu'il ne voulait pas censurer les gens qui répondaient. Hein, c'est dommage. Avant de parler de M. Grimaud, quels conseils on peut donner, lorsqu'on est journaliste, qu'on connaît un peu le métier, qu'on sait comment gérer les infos, comment les retrouver, quels conseils on peut donner aux gens qui voient passer une info et se posent des questions? L'info est étonnante, au contraire, l'info leur plaît énormément. C'est quoi les questions qu'on doit se poser avant de croire? Alors, pour avoir un peu peut-être d'hygiène mentale autour du journalisme, ce qui peut être pas mal, effectivement, c'est déjà de vérifier que ce qui a été publié dans le titre, dans l'article qui nous a plu, c'est de vérifier que d'autres médias, éventuellement, en parlent, le confirment ou non. Parce que si c'est un seul journal absolument inconnu du grand public qui, tout à coup, se met à révéler des choses, c'est déjà hautement suspect. Il faut vérifier qu'il y a bien une équipe de rédaction derrière,
voilà, qu'il y avait une structure rédactionnelle qui a vérifié ce papier. Ça se voit assez vite, hein. Il suffit d'aller dans, je sais pas moi, Google Actualité, par exemple. Après, vous avez tout un tas de méthodes de recherche sur les réseaux sociaux. Vous avez des outils à disposition de toutes sortes pour croiser au moins, faut au moins croiser les sources. Si vous avez, je sais pas, moi, ce qu'on lit souvent sur Twitter, des décisions de justice qui sont extrêmement surprenantes. Par exemple, on apprend qu'un SDF a été mis en prison pour 2 ans parce qu'il avait volé un sachet de pâtes. Et vous lisez ça sur un blog obscur qui fait seulement reprendre ce qu'il a lu dans un autre quotidien, mais en le tournant un peu différemment. Ça, c'est une pratique assez fréquente, hein, dans la complosphère, dans la réinfosphère. Si on vous montre que ça, c'est que ça cache quelque chose derrière. Si c'est trop surprenant pour être vrai, c'est que déjà il faut se méfier un petit peu. Souvent, ça veut dire que par exemple, je sais pas moi, le SDF en question avait un casier judiciaire long comme ça et qu'au titre de la récidive, il a été condamné. On peut le dénoncer. Hein. Vous dites que c'est surprenant, mais c'est tout relatif. Tout le monde n'est pas surpris par la même chose. Ouais, là c'est vrai, mais ça demande effectivement, ça demande peut-être une certaine. Et le problème, c'est que là vous dites, il faut que l'info soit recoupée, mais quand on est dans un mode de pensée où on estime que les journaux mainstream mentent, qu'on voit une info dans un site de réinformation, en général ils suscitent les uns les autres. Donc l'information, elle est recoupée. En tout cas, on a l'illusion qu'elle est recoupée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il faut juste savoir effectivement. S'il y a vraiment une rédaction derrière, ce sont vraiment des journalistes qui ont écrit cet article. Enfin, est-ce que France Soir, il y a encore des journalistes, par exemple ? Non, il n'y a plus de journalistes à France Soir, non. Voilà. C'est terminé, c'est devenu un obscur blog complotiste qui est devenu même le repère du mouvement QAnon. Et d'ailleurs, vraiment, à l'énorme déception des anciens journalistes de France Soir qui se sont fait virer les uns après les autres, après la fermeture du journal, c'était resté juste sur Internet. J'ai une pensée pour eux, pour les anciens, parce que c'était un titre prestigieux, France Soir, dans le passé. Donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont travaillé, qui ont aimé le journal et qui n'existent plus. En fait. Non, mais ça n'existe plus. C'est une pâle copie conspirationniste de France Soir. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais bon, ça fait de l'audience. Et donc, la question demeure, c'est que je sais bien qu'il n'y a pas de réponse facile, hein, je vous titille, mais... Est-ce qu'il y a des... Donc, au-delà du fait de recouper les informations, quelles questions vous posez quand vous croisez une info ? Là, je regarde, est-ce que l'information, elle est datée ? Ouais. Est-ce qu'elle a une date de publication ? Est-ce qu'elle ne remonte pas il y a 5 ans, 10 ans ? Est-ce que la publication est signée ? Est-ce qu'il y a un journaliste qui a effectivement posé sa signature en bas de l'article ou en haut de l'article ? Est-ce que les informations sont sourcées ? Est-ce que ce sont des sources précises ? Est-ce qu'on cite, je sais pas moi, des institutions, des tels porte-parole ? Est-ce qu'il y a vraiment des noms qui apparaissent, des citations Est-ce que ce sont des citations exclusives ? Est-ce qu'elles ont été prises ailleurs ? Moi, je remarque tout de suite dans un article quand la citation n'a pas été faite par le journaliste qui a écrit le papier et quand il l'a reprise ailleurs. En général, soit il la source, et s'il ne l'a pas sourcée, je me questionne. Je me demande, d'où ça vient, ça ? Est-ce qu'il l'a... Je comprends, ce n'est pas forcément un réflexe que tout le monde a. Mais en tout cas, le minimum, c'est avoir la date de publication, vérifier quel est le titre qu'elle a publié, si c'est un blog obscur, se renseigner un peu sur ce blog et regarder qui y a derrière. Effectivement, dans la signature, si vraiment l'information est étonnante, prétend révéler des scandales internationaux ou un complot mondial, c'est bien d'avoir un peu de recul quand même et de regarder qui est à l'origine de la publication, quel journaliste, quel auteur, et voir un peu ce qu'il publie par ailleurs, est-ce qu'il est reconnu par ses pairs, et tout ça. Et je comprends que c'est pas dans l'écosystème numérique, c'est pas très facile d'avoir cette attitude tout le temps, parce qu'on est noyé, on est enseveli sous les informations quotidiennes, et même les journalistes parfois se font avoir, parce qu'ils n'ont pas été assez prudents. Il y a des fake news qui ont été colportées par les journalistes eux-mêmes. Hein. On a eu l'affaire de l'arrestation fake de... J'oublie le nom de ce monsieur, il est disparu. Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, là c'était un fail monumental de tout le monde, hein, quasiment. Et pourtant, c'est un titre très respectable qui a publié l'information, c'était Le Parisien. À l'époque, moi je me rappelle, quand j'avais lu ça, j'avais reçu ça en push sur mon téléphone, j'étais sidéré. Enfin, moi je couvre beaucoup les questions judiciaires, j'ai vu, mais Xavier Dupont de Ligonnès a arrêté. Incroyable. Oui. C'est sourcé 3 sources policières différentes à l'époque qui disent la même chose. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose. Vous savez, en journalisme, on a une règle, c'est que une information n'est vraie pour nous qu'à partir de l'instant où au moins 3 personnes différentes, 3 sources différentes nous ont dit la même chose, et si elles ne se connaissent pas entre elles.
Et je sais que tout le monde ne respecte pas forcément ce canon-là, ça peut être deux sources parfois pour certains. Ce qui s'est passé avec Le Parisien, c'est qu'ils avaient interrogé trois policiers à différents niveaux de la hiérarchie policière, mais il se trouve que ces sources étaient intoxiquées entre elles et qu'elles avaient cru sur parole les douaniers du Royaume-Uni qui leur avaient conféré cette information. Et malheureusement, ça a donné le fiasco français. C'est assez rare, hein. Ça arrive rarement, J'ai envie mais de là, dire que c'était très problématique. c'est rassurant qu'on en parle comme de quelque chose de grave. Ouais, Ça veut dire mais que ils l'ont reconnu, lorsqu'il y a hein, une ils l'ont bourde reconnu, comme pareil. ça, on le voit. Mais, enfin, je veux dire, comme d'habitude, quand on voit une affaire qui est prise au sérieux, ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, on le traite, on le voit et que c'est pas ignoré. Mais d'un autre côté, comme on le voit et qu'on en parle, on a l'impression qu'il y a que ça. Donc c'est le problème. Mais c'est un autre signe distinctif, c'est qu'au moins quand il y a une erreur dans une publication, le titre va avoir tendance à reconnaître ses erreurs. Ce sera pas Oui, le cas, enfin, bon, en souvent général. les errata sont en page 13, hein, alors que l'erreur elle est en une. Hein. Je sais pas, faudrait voir au cas par cas, mais dans le cas de Xavier Dupont-Ligonnès, Bah, ce la cas-là, fausse annonce de il la était tellement culture. énorme qu'il ne pouvait pas mettre ça en page 13, mais bien Ouais. souvent, lorsque nous, on repère un truc qui est maltraité, avec des conclusions un petit peu étirées, quand il y a un erratum, quand il y en a, c'est pas, voilà. L'information fausse. Elle a une pla elle, on le donne pas parce qu'elle est extraordinaire. Et l'information vraie, elle est moins sexy, donc on la met moins l'avant en général. Oui, non, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a Alors, plein de journaux qui n'assument pas forcément de publier ça, publier des erreurs et les rectifier après un peu en loose day. après, j'ai deux petites questions Ça pour existe. finir de brosser un peu le portrait de ce métier-là. Est-ce que le métier est assez financé? Est-ce que quand on est journaliste d'investigation, on peut travailler correctement? Est-ce qu'on a le temps de faire les choses? Est-ce qu'on a les ressources? Ou est-ce que c'est de... Parce qu'on a le sentiment, vu dehors, que c'est de pire en pire. Est-ce que c'est vrai? Ouais, déjà, c'est une chose, journaliste d'investigation, c'est un terme qu'on réserve en général à une certaine catégorie de journalistes, ceux qui ont 15, 20 ans d'expérience et qui travaillent dans. Moi, je suis plutôt journaliste d'enquête. Bon, il y a une légère nuance. Enfin, le mot, c'est la même Mais racine, donc moi je mets tout un peu dans le même panier, j'ai ouais. peut-être tort. Est-ce que l'enquête est assez financée? En fait, la question qu'on vient à poser, c'est est-ce qu'on a assez de temps pour enquêter sur un sujet? Est-ce qu'on est assez payé pour le faire? Est-ce qu'on a des ressources pour le faire, pour se déplacer, pour. En général, dans le journalisme, le problème, c'est qu'on nous demande une. Enfin, je vais dire, parler en termes très génériques. Il y a une certaine productivité qui est demandée. On ne va pas tolérer forcément, votre chefferie ne va pas forcément être d'accord que vous travaillez pendant 3 mois sur un article sans rien faire d'autre. Et donc, vous allez quand même faire d'autres choses à côté. Mais il y a des journaux qui sont spécialisés là-dedans. Il y a Mediapart qui mène des enquêtes sur 3, 4, 5, 6 mois. Il faut quand même payer le salaire de journaliste pendant tout ce temps Oui. qui ne produit rien d'autre. Donc, évidemment, ça demande de l'argent. Moi, personnellement, à Marianne, je n'ai jamais eu à me plaindre spécialement de ça. On m'a toujours laissé le temps d'enquêter. Et si jamais je dois faire l'autre chose à côté, ben, je l'ai fait. Et puis ça reportera plus tard l'enquête sur laquelle je travaille. Mais au moins, Grimaud, j'ai travaillé dessus pendant. On y reviendra après, mais j'ai pu travailler dessus pendant 2 mois. Et très souvent, quand on sait qu'une enquête est suffisamment importante, on va se donner le temps et l'argent pour le faire. Et je peux tout à fait prendre un train pour aller à Lyon, prendre l'avion pour aller à Perpignan ou ailleurs. Et pour aller rencontrer des sources, c'est tout à fait faisable. Donc à votre niveau, c'est pas un problème en soi. Ouais, mais plus généralement, il y a quand même un problème, c'est que l'investigation est quand même un peu en perte de vitesse malgré l'expansion de Mediapart. On se rend compte qu'il y a énormément de journaux qui ont supprimé tout bonnement leur Oui. service d'investigation. Moi, avant, je travaillais à l'Express. L'Express qui a été racheté par Alain Veil il y a 2 ans, eh bien, maintenant, l'Express, ils avaient 8 journalistes d'investigation. Un service entier dédié à ça. Maintenant, ce service a entièrement disparu. Les journalistes ont été dispatchés, enfin, déjà ont été gentiment, on va dire, remerciés, et ils sont allés chercher du travail ailleurs, en clair. C'est quand même une tendance à la décrue de ce côté-là. C'est très dommageable. Et justement, dernière question, dans le paysage de la presse française, j'ai pas une grande culture, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais on a quelques milliardaires qui possèdent quasiment l'ensemble, à part Mediapart et quelques-uns, l'ensemble des organismes de presse. S'ils le font, c'est pas pour rien. Si ces gens qui savent faire de l'argent investissent dans des objets comme ça, qui ne sont pas forcément rémunérateurs en soi, ils le font pour autre chose. On s'attend donc à ce qu'ils s'attendent à exercer une forme de pouvoir ou d'influence, qu'elle soit douce ou qu'elle soit explicite. Dans quelle mesure êtes-vous indépendant? Alors vous, de manière générale, dans le métier, est-ce que c'est pas la voix de son maître? On a des gens qui sont conspis parce que d'abord ils soupçonnent ça.
Ils ont l'impression que journalistes en France, comme ils travaillent pour des entreprises qui sont possédées par des milliardaires, ne peuvent pas dire autre chose que ce qui leur est commandé. Donc ça, il faut répondre à ça. Soit c'est vrai et c'est grave, Ouais. soit c'est faux et c'est grave qu'on croit. Mais en fait, vous posez toute la question, une question extrêmement compliquée. Je vais essayer d'y répondre rapidement, mais la question de l'inféodation du journalisme au pouvoir politique ou au pouvoir économique. Là, plutôt le pouvoir économique de ce que vous me dites. Mais ça, ce sont vraiment les deux de grosses critiques qui couvent hein, par rapport au journalisme. Et toutes les sciences sociales montrent que, évidemment, l'impact du pouvoir économique existe sur les médias, mais d'abord sur l'économie médiatique, c'est-à-dire sur la simple manière de produire de l'information. Alors, est-ce qu'un journaliste à son niveau est directement influencé par son patron? Est-ce que, je ne sais pas moi, un journaliste de Canal+ reçoit immédiatement des instructions de Vincent Bolloré Sans doute que non. Sans doute que non, la chaîne ne marche pas comme ça. Et chaque journaliste, à son niveau, a l'impression d'agir en totale liberté, en Bien sachant sûr. bien, évidemment, qu'il y a des restrictions qui sont imposées par la ligne éditoriale, déjà. Hein. On sait très bien que, Mais je ne sur sais pas... Canal+, les mecs se font virer d'ailleurs en ce moment. Ouais, Quand on a une le oreille qui problème, c'est que dépasse, ça dégage, hein. y a des patrons de presse qui mènent un management terrifiant. Vincent Bolloré en est le meilleur exemple. Tous les patrons de presse sont pas comme ça. Il y en a qui veulent en tout cas laisser une liberté à tous les journalistes. Mais il faut savoir qu'il y a un effet de milieu qui fait que les journalistes savent très bien globalement ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Quand on travaille à Libération, on sait quel sujet on va traiter. On sait très bien qu'on ne va pas sortir un article anti-immigration dans Libération. Ça n'a pas de sens du point de vue de la ligne éditoriale. On sait très bien qu'à Challenge, on ne va pas, un journal économique, on ne va pas se mettre à faire des enquêtes sur les entreprises qui sont détenues par notre patron. Au Figaro, on ne va pas faire d'enquête sur Dassault. En fait, c'est évident. Et quand on y travaille, on sait qu'on ne peut pas le faire. C'est extrêmement rare, les cas contraires. Hein. Il y a sûrement des exceptions, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et de toute façon, vu qu'il y a cet effet de diminution de l'investigation au sein des journaux, on sait très bien qu'il y a de moins en moins d'enquêtes déstabilisantes pour les patrons de presse, qui généralement ne deviennent effectivement pas que des médias, mais aussi des grosses entreprises qu'ils ont à faire tourner. Donc tout ça, La c'est... question est extrêmement compliquée. Il faut se tourner vers la sociologie du journalisme, qu'on Voilà, trouve ça très j'ai pas la bien. réponse, mais je veux dire, tout ça, c'est... Et le fait que ce soit si compliqué d'y répondre, ça montre bien que les soupçons, au moins les inquiétudes des gens qui ont tendance à aller vers des médias alternatifs, c'est pas pour rien, en fait. Sans doute. Et qu'il y Ouais. a un rapport de méfiance entre les Français en particulier et les journalistes, qui existe, me semble-t-il, et qui n'est pas Nous, on est les adressé... champions pour ça, Et qui n'est pas ouais. adressé du tout, et qui est même nié. J'ai discuté avec des gens haut placés de chez Vanessa qui me disent non, non, il n'y a aucun problème de confiance, ce n'est pas vrai. Et mes yeux étaient prêts à tomber par terre. Voilà. Et je crois que c'est. Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va régler ça, mais c'est pour montrer que cette question-là, on en est conscient, tout en étant conscient, malgré tout, on peut explorer des choses, on peut enquêter. Et dans la partie 2, un mot de conclusion là-dessus? Sur le Oui, bah, si métier? vous intéressez, non, juste si vous vous intéressez effectivement à la dépendance qu'il peut y avoir le journaliste par rapport au pouvoir économique, leur patron ou au pouvoir politique, il faut se pencher vers certains ouvrages de sociologie qui traitent ça très bien. Le travail du monde diplomatique sur le sujet est généralement assez bien fourni. Il y a certains sociologues comme vous lisez un bouquin qui s'appelle La banlieue du 20h pour comprendre pourquoi le journaliste de France 2 travaille de cette manière sur les banlieues. Pourquoi. Enfin, il y a tout Ouais. un tas d'ouvrages. Qui mérite d'être lu, mais il faut se méfier vraiment de la critique facile qui consiste à dire que le journaliste n'est que le porte-voix de son patron, parce que c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de concurrence en interne, beaucoup de négociations qui se font entre le journaliste et son chef de service, le chef de service et la direction, et que tout n'est pas monolithique et binaire. J'entends bien. Donc on va passer à la partie 2, et juste avant la partie 2, juste une petite annonce pour vous dire que si vous vous intéressez aux déclarations autour des pyramides, parce que là on va parler de Jacques Rimmaud dans quelques instants, il y a la collection Une chandelle dans les ténèbres de la collection Bookie Book. Vous avez plein de bouquins qui reprennent un peu toutes ces théories et qui apportent des contradictions. Vous aurez bientôt un numéro qui va s'appeler Pyramidologie. C'est moi qui en suis l'auteur. J'ignore quand ça sort, mais Henri a accepté le bouquin. Et. Je peux vous dire, la préface sera rédigée par Jean-Pierre Adam, qui a accepté de le faire, donc je suis très heureux, dont je vous dirai quand ça sortira. Et puis, pour vous dire aussi qu'en 2021, sur la tronche en biais, on a un projet qui s'appelle La Petite Boutique des Erreurs. Au cas où vous l'ignorez, on va vous mettre la bande-annonce qui dure presque 2 minutes. On a un Ulule, le lien est dans la description, vous pouvez nous aider pour que ce projet
voit le jour. On a financé toute la saison 1, c'est cadeau, mais on n'a pas d'argent pour la saison 2 pour l'instant. Donc si vous avez envie que ça existe, on le fera quoi qu'il arrive, mais on le fera dans les bonnes conditions si vous nous aidez. Et donc je me tourne vers Lise et Corentin. D'ailleurs, c'est Lise et Corentin qui réalisent. Donc mettez des petits cœurs dans le chat pour les remercier, parce qu'en plus, apparemment, ce soir, l'athlétique marche très très bien. Donc la petite boutique des erreurs. C'est une époque de terreur. C'est un monde de brutes. Venus des heures les plus sombres de l'histoire, les arguments fallacieux déferlent dans les conversations et les débats. Personne n'est à l'abri. Mais de valeureux aventuriers se dressent contre cette menace. Avec eux, explorez l'indigence, l'illogisme et les frontières de la mauvaise foi. Conjurez les artifices rhétoriques. Venez vous réfugier dans la petite boutique des erreurs. Merci Lise et merci Corentin, ils ont géré ça à la perfection, cette transition léchée, on devient pro, c'est fou. Partie 2, Paul Conge, pourquoi s'intéresser à Monsieur Jacques Grimaud ? Mais c'est une excellente question. Pourquoi je me suis intéressé à Jacques Grimaud ? Déjà parce que j'étais tombé, je me rappelle, il y a des années par hasard, sur son film. Je me rappelle, j'étais rentré chez mes parents, je ne sais plus à quelle occasion, et on avait mis des RMC Découverte et était diffusé sur RMC Découverte, le film RDP. Ça m'avait quand même déjà à l'époque pas mal interloqué. Mon père avait été fasciné par le déroulement, fasciné par les révélations que prétendait offrir le film. Je m'étais renseigné après coup, j'avais déjà remarqué que Grimaud était sans doute voilà, pas quelqu'un sur qui il fallait, à qui il fallait se fier forcément pour le premier abord. J'ai laissé ça un peu de côté, et puis comme journaliste, j'ai assez vite développé une affinité pour un certain type de sujet, à savoir ce qu'on appelle les radicalités. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur les mouvements radicaux, sur l'extrême droite, l'extrême gauche, mais aussi les phénomènes sectaires. Et il se trouve qu'en m'intéressant à certains milieux d'extrême droite, j'ai remarqué que le nom de Grimaud revenait assez souvent. Et Grimaud lui-même montrait dans ses discours une certaine connivence avec l'extrême droite. Hein. Quand on regarde à l'RDP, il y a quand même cette idée en filigrane que c'est possiblement une race supérieure qui est à l'origine des pyramides. Et c'est vrai que ce film a pris vraiment une ampleur, une influence assez colossale. Il est devenu incontournable dans le milieu du conspirationnisme. C'est des millions de vues sur Internet, c'est des multidiffusions sur RMC Découverte, sur Planète Plus, quand même sur des chaînes de télévision. Hein. Pour un web documentaire alternatif,
c'est pratiquement du jamais vu de se retrouver projeté comme ça sur des chaînes de télé. Et c'est vrai que le film offre quand même une bonne synthèse d'énormément de théories qui circulaient dans la théorie de pyramidologie, hein, quelque part. Donc voilà, c'est absolument immanquable, ce film. Et de part aussi l'influence qu'a gagné ce web documentaire, Grimaud est devenu quand même une espèce de figure du conspirationnisme contemporain. Moi qui m'intéressais beaucoup au conspirationnisme, je ne pouvais pas passer à côté de lui. Et ça a accompagné un autre phénomène qu'on commençait à déceler comme beaucoup sur Internet dès le début des années 2000, c'est cet essor des sciences occultes, des parasciences et ce goût un peu pour les récits alternatifs, l'histoire alternative, l'archéologie mystérieuse, l'histoire de sous-coupes et de pyramides. Ça commençait vraiment, avec la libéralisation d'Internet en tout cas, à prendre de l'ampleur. Donc moi en 2018, par hasard, je lis un article d'un anthropologue sur un média spécialisé dans l'extrême droite qui s'appelle Temps Présent. Et dedans, Jean-Loïc Lequellec, l'anthropologue en question. Donc Jean-Loïc Lequellec, que vous pouvez trouver dans Les lois de l'attraction mentale, le documentaire qu'on a fait nous en 2016. C'est le monsieur avec la grande barbe qui parle au début et il est hyper intéressant, ce monsieur. Ouais, il a l'air absolument brillant. Et son article était brillant parce qu'il montrait, il offrait une espèce de radioscopie de l'archéologie, ce qu'il appelait l'archéologie romantique, donc l'archéologie alternative. Et il montrait que cette mouvance avait quand même pas mal de. Avait quelques caractéristiques qui étaient notamment leur absence de méthode, leur désintérêt pour la littérature scientifique, leur goût immodéré pour l'ésotérisme, leur hostilité à l'égard des chercheurs diplômés et tout ça. Et là, ils aiment bien quand les diplômes accompagnent une parole qui va dans leur sens. Donc, en gros, c'est ça. C'est moi, j'ai un médecin qui me dit que la Terre est plate. Oui, mais il est médecin quand même. Oui, ça n'a aucun rapport. Mais le titre est important dès l'instant que la personne dit comme eux. Et ils oblitèrent l'ensemble des experts qui disent l'inverse. Et eux sont vendus, etc. Et Grimaud, lui, c'est ça, il dit que les scientifiques sont tous vendus ou crétins ou idiots, et lui, c'est le seul intelligent et honnête. Ouais. Et je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qui suscitait cet intérêt pour les récits alternatifs de nos sociétés. Et puis moi j'ai un background Sciences Po qui fait que, sociologiquement, on sait qu'il y a une ascension des nouvelles religiosités parce qu'il y a un effondrement des grandes idéologies politiques, un effondrement des religions, des enchantements du monde. Et donc, les gens un peu en perte de sens vont avoir tendance à être plus à l'écoute vis-à-vis de ces discours-là. Et là où ça rejoignait mes thématiques d'origine, c'est que cette mauvaise archéologie, elle offre quand même souvent une ressucée à des thèses d'extrême droite. On retrouve très souvent des thèses racistes au sein de l'archéologie alternative. Quand vous écoutez Jacques Grimaud, il va vous dire qu'une clique manipule l'histoire. Donc là, on est typiquement... Alors la clique, on sait qui c'est, hein, pour Grimaud, ce sont les Juifs. Donc là, on est quand même typiquement dans un discours à la fois complotiste et aussi, on va dire, anti-juif, pour être gentil. Mais j'ai vu, alors, j'ai cherché, je pensais l'avoir Grimaud, j'ai récupéré, j'ai vu sur sa page Facebook, il y a moins de 5 jours, un post comme ça, où il s'attaque au talmudiste, pur antisémite, anti-juif comme vous dites, et c'est récent, quoi. C'est pas juste, c'est pas un truc qu'on lui reproche d'avoir dit il y a 10 ans. C'est constant dans ses cours, dans ses conférences, c'est par petites touches, par petites phrases. C'est jamais vraiment assumé d'ailleurs, et ça plaît beaucoup à certains gens qui vont l'inviter, apparemment. Absolument. Et quand j'ai commencé à enquêter sur Grimaud, c'était en 2018, je m'étais rendu à une de ses conférences. Ça se déroulait au Café de Paris, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, où il y avait vraiment, la salle était comble. Il y avait 70 personnes qui l'écoutaient sur l'estrade avec son PowerPoint, où il dissertait sur, je ne sais plus pourquoi, ça devait être sans doute l'astrologie et sur l'archéologie un petit peu, il me semble. Et puis à un moment donné, je ne sais plus à quelle occasion, il lance comme une saillie comme ça et dit « Mais de toute façon, qui est la clique qui manipule l'histoire ?» Et là, tous les premiers rangs en chœur répondent « Les Juifs ». C'est montré à quel point il a déjà conditionné son audience à ces vues-là. Et de toute façon, quiconque a déjà consulté les comptes Facebook de notre archéologue alternatif, c'est à quel point il a l'insulte facile et surtout l'insulte raciste facile. Ouais. Et donc, c'est dans le cadre
d'un travail que vous, on peut le montrer à la caméra, c'est votre livre, Les Grands Remplacés. Ah oui, donc, alors. Au départ, oui, alors vous arrivez sur Grimo parce que vous examinez les réseaux dans lesquels il y a cette théorie du grand remplacement qui est tenue par des gens. Ouais. Mais ça, est-ce qu'il en parle directement, Grimo, de ça? Non. Alors, comment dire? Si, un peu, parce que par la force des choses. L'enquête que je fais dans ce livre, je le montre un peu à la caméra, oui. C'est effectivement une enquête sur les nouvelles générations d'extrême droite, mais aussi une enquête sur les nouvelles stratégies d'influence de l'extrême droite. Et je m'intéresse notamment au milieu des jeux vidéo, comment des gens, des idéologues vont dans le milieu des jeux vidéo pour diffuser leurs idées, pour recruter des douailles. Et ça marche dans le milieu des jeux vidéo, dans le milieu du coaching en séduction, dans le milieu du tuning. Et aussi dans le milieu des sciences alternatives. Et c'est vrai qu'il y a toute une, il y a toute une tradition à l'extrême droite de regarder de très près l'archéologie alternative et de se servir de ces discours-là pour faire passer une vision du monde, mais vraiment en effaçant toute radicalité politique. Vous avez, il y avait des livres qui marchaient très bien dans les années 60 en France, d'un penseur qui s'appelle Robert Charroux. Dans les années 60, il sort cette thèse selon laquelle, en fait, des extraterrestres ont manipulé génétiquement les Blancs pour les rendre supérieurs. Alors, Robert Charroux, pour dire aux gens, c'est le monsieur qui est à l'origine d'une théorie qui, après, est développée par M. Van Däniken du néo-évhémérisme, comme quoi les dieux des anciennes religions sont en fait des extraterrestres qui ont été divinisés par des récits. Et donc, il y a cette idée que ces êtres se seraient accouplés avec les humains. Et il y a plusieurs... Ouais. Il y a plusieurs grandes catégories. Il y a Van Däniken qui ne fait pas de distinction. Et puis il y a Charroux qui est carrément pro-nazi et qui considère qu'il y a une race qui a des liens avec les extraterrestres, mais pas les autres. Donc les Noirs, eux, c'est purement du singe, quoi. En gros. Exactement. Et Grimaud, il est dans cette tradition-là. Il est dans cette tradition-là, c'est l'espèce de liaison dangereuse entre l'extrême droite et l'archéologie alternative. Et vous en avez beaucoup, hein. On a cité Charroux, on pourrait citer Jean-Claude Vallat, qui était, lui, une sommité à l'extrême droite. C'était le fondateur du GRES, c'est-à-dire le club de réflexion d'extrême droite dans les années 70. Et lui, il était très intéressé par l'archéologie alternative. Il avait fini par sortir cette thèse selon laquelle les précolombiens, donc bâtisseurs de pyramides, en fait, étaient des Blancs. Qui permettait de dire qu'en fait, toutes les grandes réalisations de l'humanité, on va plutôt avoir tendance à chercher leur origine au sein de la race blanche qu'au sein d'autres races. Pour en revenir à Grimaud, il est héritier évidemment de cette histoire-là, puisqu'il en reprend des motifs, mais il faut savoir que lui-même, on remarque assez vite en s'intéressant à lui, a maille à partir avec l'extrême droite française. Par exemple, je me rappelle typiquement cette fois où je m'étais rendu à une de ses conférences, j'étais tombé dans le public sur quelqu'un que je connaissais bien, Laurent Glosi, qui était un créationniste d'extrême droite, qui lui aussi a écrit beaucoup de choses sur les géants, les Atlantes. Je crois qu'il est passé sur la chaîne Meta, Meta TV. Oui, Meta TV, ouais, absolument. Je sens qu'il est passé là-bas. Oui, il est passé plusieurs fois, et on avait vu qu'effectivement, et tous ceux qui s'intéressent à Grimaud savent qu'un jour, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, lui fait un éloge dithyrambique sur une vidéo de son journal de bord. Et d'ailleurs, dans mon livre, je raconte une histoire, enfin une anecdote qui est assez peu connue, mais qui montre comment Jean-Marie Le Pen a découvert Jacques Grimaud. En fait, il l'a pas découvert comme ça par hasard. Il se trouve qu'il avait au sein du Front National des personnes qui étaient fans de pyramidologie. Alors moi, de ce qu'on m'a raconté, c'est que c'était en fait à l'origine Florian Philippot, qui était un des vice-présidents du Front National, qui avait vraiment un intérêt démesuré pour ces théories-là, et qui l'en parlait énormément autour de lui, notamment à Marine Le Pen, qui ensuite elle-même aurait ensuite montré ce film à son père. Alors j'ai posé la question à Florian Philippot directement pour le livre. Lui m'a répondu que non, si on avait parlé à l'époque, c'était sans doute de manière amusée, pour rire. Donc il n'assume pas. Moi, c'est vraiment pas tout ce qu'on m'a raconté. Hein. D'accord. Peut-être pas. C'est dur à assumer en même temps, mais je ne voudrais pas lui faire un procès d'intention. Mais en tout cas, j'ai quand même tendance à croire mes sources qui m'ont dit que c'était bien lui qui était à l'origine de ça. D'accord. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Après, dans on, livre, on l'a vu croire d'autres que Grimaud et là-dessus. Oui. Oui, voilà. Donc dans le livre, chapitre 6, sur ces théories. Un peu fumeux, donc voilà. Non, c'est vraiment les rapports entre,
Ouais. Alors, entre les rapports entre extrême droite et sciences alternatives, et montrer à quel point vraiment c'est devenu un vecteur d'influence, notamment sur Internet, notamment en raison de l'essor de l'intérêt pour ces discours-là. Ouais. D'accord. Mais moi, j'ai envie de dire, finalement, moi, ça me gêne que ce monsieur dise des trucs résolument faux, et dès qu'il ouvre la bouche, en général, c'est pour dire des conneries. Mais la dimension politique, d'une certaine manière, en tant que sceptique, c'est pas mon sujet prédilection, ça me dérange pas. En quoi est-ce que vous estimez que c'est assez intéressant pour en parler? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bah déjà, moi, c'était juste un de mes sujets d'enquête. Donc, je me suis intéressé vraiment par la force des choses. L'extrême droite, ça m'intéresse. Et je trouve que c'est intéressant de montrer les nouvelles stratégies d'influence. Grimaud me semblait être l'actualisation contemporaine de toute sa vieille tradition d'extrême droite archéologique. Voilà. Est-ce que c'est dangereux? En vrai, moi, c'est pas à moi de le dire. Moi, mon métier consiste pas à dire quelque chose est dangereux ou pas. On peut effectivement estimer que l'extrême droite n'est pas forcément porteuse d'un grand discours de réconciliation et d'un grand discours pour aimer son prochain, surtout quand il a une origine culturelle ou une couleur de peau différente. Ça, on pourra s'accorder là-dessus, mais après, c'est vraiment pas mon boulot de le dire. Moi, c'était ma porte d'entrée pour parler de Grimaud. Après, dans l'enquête que j'ai pu dans Marianne, je sors tout à fait de ça. Hein, Voilà. parce que, évidemment, la part politique est importante. Moi, je l'ai abordée par cet angle-là au départ. Ça me semble intéressant. Les gens ne connaissaient pas forcément bien ça, n'avaient pas forcément conscience que derrière les discours sur les pyramides, derrière les discours sur les soucoupes volantes, on pouvait quand même fréquemment trouver des discours aussi qui les accompagnaient, qui sont racistes, qui sont qui militent pour la supériorité de la race blanche. Donc, ça me paraissait suffisamment intéressant, vu l'ampleur du phénomène, d'en parler. Ensuite, on peut parler de la suite de l'enquête, mais Grimaud, évidemment, ne se limite pas à ça. Évidemment que dans ses cours, dans ses conférences, ça ressort. Évidemment que des gens sont influencés, qui le suivent, sont influencés par ces discours-là. Voilà, c'est D'accord. tout ce que Bah, j'aurais à mais, en dire. donc, maintenant, une fois que vous êtes sur le sujet de Grimaud, du coup, je me rappelle qu'on l'avait échangé parce que dans le livre, je suis cité une fois ou deux. Mais est-ce que le travail des sceptiques a été utile pour voir le phénomène, pour s'y intéresser, ou est-ce que c'était préjudiciable à votre enquête? Voilà. Dans quelle mesure, parce que c'est rare qu'on échange avec des journalistes, dans quelle mesure notre travail à nous, vous l'avez vu, il est connu par le monde des journalistes, et dans quelle mesure il est jugé utile ou parasitaire? Non, c'est résolument utile. Et déjà, moi, ça m'a permis, à l'époque où je redécouvrais le film, d'avoir vraiment des arguments scientifiques à opposer à ce qui était asséné. Et c'est vrai que très souvent, les journalistes, on n'a pas de formation scientifique. Bon, il se trouve que moi, j'en ai une au départ, mais qui n'a pas été forcément poussée très très loin non plus. Hein. Mais en général, on n'est pas armé, on n'est pas équipé pour répondre forcément point par point à des discours conspirationnistes qui, généralement, eux, ont mis des années à se bâtir, qui sont basés effectivement sur tout un tas de sources qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, le travail que vous avez fait, vous, mais aussi Jean-Pierre Adam, typiquement, moi, je l'avais Oui, bien interviewé, sûr, bien Jean-Pierre sûr. Adam. À l'époque, pour débunker un peu tout ça. Non, c'est résolument utile. En plus, ouais, puis ça a apporté vraiment toutes les contradictions. Vous l'avez confronté directement. Ça a permis un peu de désarçonner peut-être un petit peu le personnage. Donc, non, ça se complète très, très bien. Je vois pas en quoi ça pourrait être parasitaire, d'ailleurs. J'en sais rien. Après, je dirais pas non plus que les journalistes sont très au courant de discours de zététiciens. Je sais que maintenant, un peu plus qu'avant, Bah, le mais. problème, c'est que les rares journalistes qui parlent de nous, enfin, certains, c'est pour nous désinguer parce qu'ils estiment que on serait téléguidé par la grande industrie. Enfin, Ah bon? Foucart, Aurel et du Monde, bah, c'était quand même c'était une grosse actualité il y a quelques mois. C'était voilà, dès que les journalistes parlaient de zététique, c'était pour se plaindre en fait. Donc, c'est pour Ah savoir si c'est quand même le cas partout ou si le travail, au moins dans une certaine mesure, est considéré comme étant intéressant, voire une ressource. bah, j'espère qu'il l'est. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage de journalistes, le travail, le vôtre et de tout le debunking scientifique en général est plutôt très très apprécié. Hein. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait certains qui ne l'aiment pas, mais Et puis on peut faire des globalement, conneries, si on est du hein. côté du rationalisme, non, mais si on est du côté comme de la rationalité scientifique, vaut quand même mieux écouter ce que vous avez à dire, hein, Ben, je pense aussi, mais me semble-t-il. on fait ce qu'on peut. Du coup, Jacques Grimaud, vous l'avez Ouais. désingué sans lui parler. Vous êtes quelqu'un de lâche qui tire Désinguer, dans le du coup. dos, ou est-ce que vous avez fait un travail à charge et à décharge en lui parlant?
Alors, désinguer, c'est un grand mot, hein. Moi, Non, non, je veux surtout rapporter je, en gros, il y a deux hypothèses. Soit vous êtes honnête, soit vous êtes quelqu'un Ah ouais. qui tire dans le dos, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il pense, lui, hein, mais voilà. Ah, c'est peut-être. N'empêche que Jacques Grimaud, je l'ai rencontré à de multiples reprises. Je l'ai interviewé très très longuement. Alors, surtout pour ce livre, hein, mais à l'origine, vraiment, j'ai passé des heures et des heures avec lui. Et c'était pas quelqu'un de facile à interviewer parce qu'il répond quand même assez rarement aux questions. Il a plutôt, quand même plutôt tendance à retourner la question contre vous, à vous faire des procès d'intention et avoir quand même des répliques assez irrationnelles. Étonnant. Alors, dans l'enquête que j'ai publiée dans Marianne, donc qui est sortie en décembre dernier, c'est un cas un peu à part parce que c'était ma deuxième enquête sur Grimaud. Et je lui. Alors, effectivement, au départ, j'ai récolté des informations. Je parlerai, si vous voulez, après de ce qu'il y a dedans l'enquête, hein, tout ça. Oui, ça sera la partie 3. On voit un peu ce qu'on a de comme élément factuel contre lui, entre guillemets. Et là, ben, Grimaud, effectivement, à la fin de mon enquête, je l'ai contacté, je l'ai eu au téléphone, mais si vous voulez, il ne daignait pas vraiment répondre. J'avais tout un questionnaire de prêt, hein, pour lui envoyer pour qu'il réponde à mes questions. Et le problème, c'est qu'il m'a automatiquement associé à un troll, à quelqu'un qui cherchait à lui nuire, à quelqu'un de partial, alors qu'il n'avait même à peine écouté mes questions. Et puis, il jouait sur les mots. C'était pas très agréable, en fait, comme exercice pour moi. Puis, surtout, j'arrivais pas à en placer une. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, écoutez, je vous envoie mes questions par mail, vous y répondrez si vous avez envie. Je lui ai envoyé mes questions par mail, et tout vraiment de manière très vraiment neutre, je pense, didactique, quelque part. Et au départ, il me soupçonne de je ne sais quoi, d'avoir peut-être des allégeances cachées à l'extrême gauche, par exemple. D'être Et il me demande de juif. lui envoyer une photocopie. Peut-être, hein, qui sait. En tout cas, il me demandait de lui envoyer une photo de ma carte de presse. Après, je ne sais même plus ce qu'il. Mais en fait, il commençait à avoir de plus en plus de demandes comme ça. Au départ, je lui ai juste envoyé une photo de ma carte de presse pour qu'il sache que je suis vraiment journaliste. Mais après coup, il me disait, oui, je veux que vous me garantissiez un droit de réponse, je veux que vous fassiez ça, ça, ça et ça, je veux que vous me définissiez ça. Et puis au bout d'un moment, je n'allais pas rentrer dans son jeu. Je lui ai dit, vous répondez à mes questions ou pas, mais je ne vais pas rentrer dans votre truc. Et puis il ne m'a jamais vraiment répondu. Donc j'avais un gros problème de contradictoire dans cet article, Oui. effectivement, parce que Grimaud ne voulait pas me répondre. Donc j'ai quand même mis ce qu'il a pu me dire au téléphone. Hein, mais c'était assez problématique. Après, je ne publie que ce dont je suis sûr, ce que j'ai recroisé, ce que j'ai recoupé. Et si différentes personnes, comme je le disais tout à l'heure, m'ont dit la même chose. Et si j'ai des preuves pour le dire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui circulaient sur Grimaud, qui n'étaient pas forcément étayées, qui n'étaient pas forcément Oui. vérifiées non Parce plus, qu'on qui est pouvaient se dans dire, un c'était un peu milieu des discours où. de personnes énervées, hein, Voilà, c'est qui. ça. Les gens, il y a beaucoup de rancunes recuites les uns envers les autres, et donc on ne sait pas trop à quel sens c'est, parce que Ah les ouais. gens du milieu qui critiquent Grimaud eux-mêmes sont pas forcément des gens extrêmement fiables. Bah, Pas alors forcément, je dis pas, effectivement, mais ouais, non, mais c'est. c'est vrai. Oui, mais il faut être assez prudent avec les discours qu'on. Parce que bon, les inimitiés, les animosités entre personnes, ça a tendance à faire dire pas mal de conneries. Et c'est aussi notre boulot de tenir compte de ça et de recouper un peu les choses. Parce que franchement, si j'avais écrit dans cet article tout ce qu'on m'avait dit, je vous assure qu'il n'aurait pas du tout la même, il n'aurait pas du tout pris la même tournure et il aurait été beaucoup plus vindicatif. Donc moi, j'ai vraiment gardé ce qu'il y avait de sûr. Et Ouais. détaillé Et donc ça, corroboré par voilà. des sources documentaires, ce que vous voulez, Et quoi. donc ça, on va en parler. Donc juste pour finir cette petite partie-là, est-ce Ouais. que vous avez le sentiment, bon, là je sais pas si c'est des données factuelles, que Jacques Grimaud est protégé par des gens, qu'il est relayé, on a parlé de Philippot et du RN, enfin des fans du RN, et qu'il est relayé dans le monde médiatique aussi, parce que RMC Découverte continue. Alors, c'est pas lui, mais c'est le film. Le film et Grimaud, c'est deux choses différentes, mais le film est quand même. Il continue à passer sur RMC, et le film en lui-même contient en creux une idéologie raciste, parce que c'est pas possible que ce soit les Égyptiens qui aient fait le travail. Est-ce que ces idées-là et ces personnages-là sont ont de l'entre-gens, ont du réseau, ou est-ce que ils sont très isolés? Très franchement, de ce que j'en sais, je crois vraiment pas qu'il y ait de l'entre-genre dans l'univers médiatique. Si RMC Découverte a choisi de diffuser l'RDP, c'est déjà que c'est un film qui a une énorme audience, et donc ça va leur faire de l'audience. C'est qu'aussi, ils n'ont pas forcément une charte éditoriale extrêmement rigoureuse et qui se permettent beaucoup plus facilement que d'autres chaînes de publier des documentaires que d'aucuns jugeraient problématiques. L'RDP n'en est qu'un parmi tant d'autres, hein, il suffit de Oui. regarder la grille de programmation d'RMC Découverte. Ben, je regarde pas tellement, mais du coup, Voilà, je suis pas étonné, oui. Bah, on croirait un peu une chaîne américaine, hein, qui laisse passer un peu tout au titre de la liberté d'expression, quoi. OK. C'est un peu le souci. Mais sinon, non, je pense que Grimaud est quelqu'un de quand même d'assez isolé.
qui a effectivement un noyau dur de disciples, qui le soutiendront coûte que coûte, convaincu de son génie. À part ça, non, je crois pas qu'il ait un entre-genre. Et un truc qu'on avait évoqué en préparant l'émission, c'est que on dit à quel point Grimaud il est quand même très très en connexion avec des mouvements idéologiques plutôt d'extrême droite, disons ça comme ça. C'est pas forcément le cas de Pouillard, qui est le réalisateur du Ah oui, film. Et ils sont séparés depuis maintenant, je crois que c'était en 2017, un 4 peu, ans. voilà. Donc ils sont même en guerre, etc. Et Pouillard, c'est plus quelqu'un qui est dans le. Je ne sais pas comment les finir, mais il est moins dans l'idéologie raciste que pourrait être Grimaud quand même. Pour être juste avec lui, quoi. Absolument, absolument. Ouais, non, pour être juste avec Pouillard, effectivement, Pouillard, sa grande idée, c'est que, y a une civilisation disparue qui est à l'origine de plein de monuments à la surface du globe parce que c'est trop bien fait. C'est un peu ce qu'on retrouve dans LRDP. Bien sûr. Mais effectivement, il a pas ce fond idéologique-là. Et d'ailleurs, il s'est séparé de Grimaud un peu aussi à cause de ça. Moi, je l'avais eu au téléphone pendant ma première enquête. Plusieurs de la production aussi, ils s'étaient éloignés de Grimaud justement parce qu'il décelait bien ce fond un peu rance Ça n'a qui jamais ne leur été dit, plaisait ça. pas. Par eux, c'est pas Ah bon? assumé Bon, bah. comme manière. Mais enfin, je veux dire, c'est intéressant de comprendre, mais. Ouais. Et non, et Pouillard, effectivement, c'est plus quelqu'un qui cherche vraiment à avoir une démarche scientifique alternative sans que sa démarche soit polluée par des biais idéologiques, à mon D'accord. avis, hein. Alors, je mets un gros Moi, bémol j'ai parce vu son que deuxième j'ai film. parlé avec lui, c'est que les méthodes, il en a aucune, et il se contente de croire que Ah ouais. les autres sont ignorants, au moins en tant que lui, ce qui n'est pas le cas. Oui. Monsieur Pouillard, les gens qui s'y connaissent. Aller les Non, mais. interroger plutôt qu'aller voir des gros Ouais. nuls. Enfin, mais voilà, aucune méthode. Après, Mais. enfin, juste pour Pouillard, à la différence de Grimaud, n'accorde pas des conférences à égalité et réconciliation, le C'est ça. mouvement D'accord. antisémite d'Alain Soral, et n'a pas dans son, il ne baigne pas dans un entourage d'extrême droite. Et ça, c'est une différence déjà fondamentale. Et ces films ne sont pas, comment dire, ne font pas transparaître ces idées d'extrême droite. Vraiment, D'accord. j'en Juste, ai pas du ça tout montre l'impression. bien qu'on n'est pas en train, vous comme moi, de voir de l'extrême droite partout. C'est important Non, de. faut Voilà. surtout pas. Non. C'est ça. Non, je comprends qu'il y a un peu ce travers parfois, mais non, c'est pas le Bah, cas. Hein. donc, on va passer à la partie 3 sur ce que l'enquête révèle, Ouais. les données. En mode de transition, j'invite les gens à aller voir le travail de Antoine Daoust. Je ne sais pas si vous l'avez vu, son travail. C'est un garçon qui n'est pas journaliste, mais qui a enquêté sur le sujet et qui a même eu Grimaud au téléphone. Oui. Il m'en a parlé un petit peu. Si vous tapez que sont devenus les 108 026 euros versé à l'association de Jacques Grimaud sur le site de l'Instant Critique. J'ai vu que monsieur Instant Critique était dans la. Je crois même que c'est lui, je crois que c'est lui, hein, Antoine, qui est dans le chat. Donc bonjour à lui. Et vous voyez, voilà, qu'il a travaillé dessus, il y a pas mal de liens. Et on va parler de ça. C'est qu'il y a des mécontents de Grimaud qui sont en train de porter plainte. Et avant de passer à la partie 3, je vous annonce que le prochain tranchant live, le 97, aura lieu le 10 février. Nous recevons Christophe Darmanjat et on parlera des sauvages. Guerre et inégalité à la préhistoire, est-ce qu'on se représente bien les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques? Est-ce que le mythe du bon sauvage repose sur quelque chose de correct? Est-ce qu'il y avait déjà la guerre il y a 10 000 ans ou 100 000 ans? Et comment est-ce qu'on peut savoir s'il y avait la guerre ou pas la guerre, etc. On va parler de ça et ce sera, je crois, assez passionnant. Ce sera le 10 février. Donc, partie 3, les résultats de l'enquête, on peut dire un mot voilà, de ces mécontents qui portent plainte. Est-ce que vous avez parlé aux mécontents? Est-ce que vous vous êtes intéressé est-ce qu'il y a des procès en cours? Et est-ce que vous le suivez, s'il y en a? Oui, alors pour monter cette enquête, effectivement, j'ai pu être mis en contact avec certains de ces mécontents qui m'ont confié des informations précieuses, qui m'ont aiguillé aussi dans mon enquête. Juste pour en dire un mot, parce qu'on n'a pas vraiment parlé encore, mais l'enquête sur Grimaud que j'ai publiée dans Marianne en décembre se veut vraiment une immersion dans une autre facette qu'on connaît assez mal de Grimaud, qui est celle de son école de sciences occultes, hein, donc c'est-à-dire que les gens ne savent pas La forcément, mais Nouvelle depuis des années, Atlantide. Grimaud dit, pardon, pour ne pas la citer, la Nouvelle Atlantide, hein, fondée en 2011, et qui, en gros, ça se traduit par des cours, des leçons qu'il donne le soir, 3 fois par semaine, devant un auditoire de 30 à 100 personnes environ, de ce que j'ai pu savoir, et il dispense effectivement toutes sortes de savoirs, comme l'archéologie, l'alchimie, le tarot, et pas mal d'autres choses. Et c'est en parlant avec des anciens adeptes de Grimaud, des anciens disciples qui ont pendant des années fréquenté ces cours, que j'ai vraiment eu accès à des accusations qui m'ont quand même vraiment beaucoup interloqué, que j'ai recoupé. Et donc en fait, parmi les anciens disciples de Jacques Grimaud, qui ont été attirés par lui, par son film, hein, c'est bien le succès de son film, hein, qui a fait qu'il a pu acquérir une telle notoriété. C'est le produit d'appel.
Absolument. Et donc, et c'est vrai que ça a été, il est devenu un peu une star du jour au lendemain dans le milieu alternatif, en tout cas. Et de ce que j'ai pu récolter, en tout cas comme information, c'est qu'il avait une fâcheuse tendance à soutirer de l'argent à ses adeptes, hein, qu'il en arnaquait certains en les faisant payer des livres qu'ils n'avaient pas encore écrits, qu'il détournait, semble-t-il, sur la base de documents comptables que j'ai, des dons de son association, et notamment les 108 000 euros dont vous parliez à l'instant, récoltés pour réaliser son deuxième film. Il semblerait qu'ils s'en soient plutôt servis pour alimenter son train de vie, Pour notamment il y a des aller dons dans dans des des hôtels, pour avoir bijouteries, des des... vêtements, des Voilà. hôtels. Ouais. Et on a les preves, hein, Bah oui, c'est de pour ça. ça. Et aussi, une part peut-être la plus inquiétante du personnage, c'est qu'il s'autoproclamait guérisseur et qu'il prescrivait des choses à des psychotiques qui le fréquentaient, vraiment des personnes qui avaient des maladies psychotiques, mais aussi qui avaient par exemple des carences en fer, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il leur prescrivait des épluchures de pommes de terre, des choses comme ça, et qu'il les éloignait des médecins qu'il appelait charlatans. Ouais, donc là, il y a vraiment, il y a Voilà plusieurs pour. Ouais. dimensions au discours. Il y a le côté un petit Ah oui. peu archéologie romantique, doudingue, on peut dire, c'est pas très grave, le mec il parle des pyramides, qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, les mecs, intéressez-vous à des sujets plus graves. Et quand on creuse, on voit qu'il exerce une emprise mentale auprès de gens dont vous dites qu'une proportion sont des gens qui sont en souffrance, ou en tout cas qui sont en détresse, voire qui sont malades, et que lui se permet de leur donner des conseils qui les éloignent des médecins. Et ça, on est dans l'exercice Effectivement, illégal de la je... médecine. Comment on fait si c'est pas à il moi de fait... le dire. Hein, Pareil, mais c'est vous que j'ai en face de moi, donc je vous pose la question. Comment mais... est-ce qu'on peut faire ouais. si il fait ça et qu'il est donc dangereux pour ces gens-là? Ne rien faire, c'est ne pas apporter assistance à des gens qui sont en danger. Et Le ben, dénoncer purement et le simple simplement, fait c'est être dans la diffamation. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est là que le travail journalistique sert à quelque chose. C'est que moi, en l'occurrence, cette enquête que j'ai produite, elle se base sur des témoignages, des documents, sur des enregistrements aussi clandestins de ces cours, qui ont eu pendant des années, des personnes qui fréquentaient ces cours, on les a enregistrés. J'en ai écouté vraiment des centaines d'heures. Hein. Je me suis infligé ça. Donc maintenant, j'ai une connaissance Donc, absolument parfaite de des heures de l'archéologie, ces cours. alternative et l'alchimie. Oui, de ces cours du soir, ouais. Bien sûr. Et c'est vrai que là-dedans, on se rend compte qu'il tient des discours qui peuvent être quand même hautement problématiques. Hein. Il vous explique que les médecins sont des charlatans, que lui-même est âgé de 175 ans, grâce à la maîtrise parfaite de Voilà. l'alchimie et la synthèse de la pierre philosophale. Alors ça, c'est Et intéressant il parce a que vraiment des gens qui le croient. Y a un double discours permanent entre ceux qu'il va dire chez des sceptiques comme nous ou à des journalistes comme vous, et puis ce qu'il va dire aux gens de son cercle. Et ça, le double discours, c'est quand même quelque chose qui est révélateur d'une dérive sectaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a le cercle intérieur où on dit les choses, et puis il y a le cercle extérieur où on a une façade. C'est, Mais oui, c'est vrai que, encore une pardon, fois, Clément, au-delà ouais. de faire, comme moi, je viens de faire une accusation de dérive sectaire, ce qui n'est pas très, très agréable, très gentil, c'est un peu court. Une fois que je l'ai dit, moi, voilà, je suis à Saint-Mandat, je vous dis que c'est une dérive sectaire, j'ai pas de preuve, j'ai rien. Et on a besoin de gens qui font le Ben non, travail. Donc vous l'avez fait au moins un petit peu. Jusqu'où ça va votre travail? Est-ce que c'est des éléments qui vont être portés à des dossiers qui peuvent éventuellement aller devant la justice? d'accord. Alors effectivement, moi j'ai interviewé une dizaine de repentis, on va dire, de l'école de Grimaud, qui pour beaucoup me disaient à peu près la même chose et qui me parlaient effectivement, mais ils me parlent vraiment d'années d'expérience avec lui, enfin, des années, voire 3, 4, 5 ans à suivre Grimaud, et qui vraiment me déployaient point par point à quel moment ils avaient été sous l'emprise de Grimaud. J'ai par exemple quelqu'un que j'appelle Thibaut, je ne donne pas sa vraie identité, quelqu'un que j'appelle Thibaut dans mon article, qui me dit qu'il regrette de s'être fait retourner le cerveau. D'avoir perdu des années de sa vie avec les chimères que lui proposait Grimaud. Il me répétait que les médicaments ne servaient à rien, que ça ne pouvait pas m'aider. C'est quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques assez forts. Hein. Donc il le tenait comme à l'écart des médecins pendant toutes ces années et devenait un peu son guérisseur personnel. Ça, effectivement, c'est une démarche qui peut être considérée comme dangereuse, à mon avis. Et voilà, donc il y a des dizaines de témoignages comme ça. Bah après coup, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les publier, mais après, c'est pas mon rôle d'avertir la justice. Il se trouve que dans le cadre de mon enquête, j'ai sollicité la Miviludes, qui me Voilà. confiait avoir déjà reçu effectivement quelques signalements. Alors une vingtaine de signalements, c'est quand même beaucoup, hein, 20 signalements pour une personne, orienté contre une personne. Jacques Grimaud, c'est pas Il y en rien pour a la Miviludes. Donc ils ont 400 lancé contre des Thierry investigations. Casasnovas. 400, Ah ouais. par exemple. Ah ouais. Ça, j'en avais pas conscience de ça. Ouais.
Bon, voilà. Mais après, on est au début, hein, parce que moi, là, y en a qui parlaient vraiment pour la première fois, et il n'est pas impossible que la Miviludes, dans ses enquêtes, en débusque plus. Le problème de la Miviludes, c'est qu'elle n'a pas vraiment de pouvoir de sanction, mais qu'elle peut faire en sorte que des enquêtes soient diligentées par des services compétents qui, après, peuvent induire des sanctions pénales, enfin, au moins des poursuites judiciaires. Effectivement, le fait de publier ça, c'est déjà une manière. Je sais que la Miviludes est très intéressée par cette enquête et qu'ils ont, dans la foulée de mes sollicitations, ont contacté des personnes qui sont présentes dans cet article et qui, sans doute, alimenteront le dossier en train d'être monté contre Grimaud. Il y a une autre chose, c'est que de la Miviludes, je sais aussi que des services de Bercy, donc le fisc, Ah oui. s'intéressent aux finances de Grimaud et s'intéressent à la manière dont il a utilisé les fonds, notamment, enfin, qui à l'origine étaient des dons pour son association et qui apparemment ont fait l'usage, enfin, ont été détournés à des fins personnelles. Et là, Ça chers peut s'apparenter auditeurs, à quand le fisc est des. après vous, il n'y a pas de puissance, à part un trou noir et son attraction au-delà de son horizon, il n'y a pas de force plus forte que le fisc dans l'univers connu. Donc, Le fisc français. en tout cas, ouais, c'est la meilleure nouvelle. Pour les victimes, c'est la meilleure nouvelle, parce que c'est par ce biais-là qu'on peut choper les gens et qu'on peut obtenir des condamnations. Mais j'ai envie de dire que fondamentalement, il y a d'autres escrocs que lui, c'est pas forcément le pire, mais le côté emprise mentale, il est Oui. beaucoup plus compliqué à prouver, à mettre. Il est très dur à prouver, et surtout, il n'y a pas beaucoup de textes qui répriment en fait Voilà. cette emprise mentale, hein, parce qu'on ne peut pas être condamné juste parce qu'on est un gourou de secte ou inquiété par la justice. Mais par contre, ce qui peut s'apparenter à des délits qu'on pourrait associer à une dérive sectaire, ce sera effectivement, vous avez cité l'exercice légal de la médecine. Je pense que c'est fait pour être susceptible d'être qualifié comme tel, mais c'est que mon avis. Il y a aussi les détournements de dons, il y a les abus de confiance, les extorsions, tout ça sont des faits qui peuvent être réprimés pénalement. D'accord. Donc c'est pas inutile de publier ces informations, je pense. J'aimerais faire une petite parenthèse parce que j'ai oublié de remercier les gens qui modèrent dans notre équipe qui sont dans le chat ce soir. Il y a Elodie, Francine, Patrice, Lucas. Et j'ai vu passer Vlad Tapas, Coucou Vlad. Et si j'oublie quelqu'un, pardonnez-moi. Je crois qu'il n'y avait que vous cinq ce soir. Et pour parler un peu donc des conséquences lorsque les gourous se font prendre et qu'il y a un procès, vous étiez ce matin au tribunal. Donc on va faire Oui. une autre parenthèse. Donc c'est un personnage que les gens qui connaissent la chaîne connaissent peut-être déjà. On a fait une émission, enfin même deux, c'était une grande soirée, on a fait deux lives de suite chez lui et chez nous. C'est monsieur Freeman de Stop Mensonge, son vrai nom, son prénom m'échappe, Laurent Freeman. Laurent Guinaud, qui est devant un tribunal actuellement. Est-ce qu'on rapidement brosser ce qui se passe et parler un peu de son comportement? Oui, son comportement, c'était quelque chose. Qu'est-ce qu'on reproche à Laurent Freeman? C'est d'avoir, en 2016, publié sur son site Stop Mensonge des documents qui avaient été piratés au sein de deux loges maçonniques. C'était quand même des gigas et des gigas de données, hein, qui notamment révélaient des informations, des données personnelles sur des membres de la franc-maçonnerie, qui aiment quand même plutôt vivre dans le secret en général. Bah surtout, Et vu donc, comment on bon, parle d'eux dans certaines régions de la composphère où il y a des menaces de mort qui circulent, je peux comprendre que ce soit un petit peu difficile. et notamment sur l'îlot qui est stopmensonge.com à l'époque, qui avait Oui. quand même publié très fréquemment des articles. Très clairement litige, enfin, très problématique sur la franc-maçonnerie, et pas que, hein, sur les nazis, les juifs, ce que vous voulez, mais surtout la franc-maçonnerie était vraiment dans leur cœur de cible, si j'ose dire. Et la publication qui avait été annoncée, hein, par Laurent Freeman, il avait appelé ça les francs-maçons papers, et c'est vrai que ça avait fait un boucan à l'époque, et ça avait été téléchargé des milliers de fois, dispatché aux quatre coins de la toile, et c'était impossible d'arrêter la machine. Donc il y a eu une plainte de la part de la franc-maçonnerie, de la Grande Loge de France notamment, contre lui, enfin pas contre lui, contre X au départ. Le pirate a jamais vraiment été identifié, mais Laurent Freeman lui comparaissait parce qu'il avait diffusé ses documents obtenus frauduleusement. Donc il y a quand même eu 4 ans d'instruction, hein, c'est très long. Et aujourd'hui, donc j'étais tout à l'heure, au tribunal de Paris, ce monsieur comparaissait pour ces délits-là. Et comment dire? Il a offert au tribunal un spectacle assez particulier, c'est-à-dire que déjà, dès le départ, il refusait vraiment les conditions de son procès. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai refusé de porter le masque, Il est au-dessus de et il ça. disait, il disait, j'ai le droit, j'ai tout à fait le droit de refuser de porter quelque chose qui porte atteinte à ma santé, parce que pour lui, apparemment, le masque portait atteinte à sa santé. Il a invoqué, il a dit.
Pour moi, il ne reconnaissait pas la justice des hommes, mais seulement la loi divine. Et donc, tant que Dieu ne lui disait pas de porter le masque, eh bien, il ne le porterait pas. Ouais. Bon, il a quand même fini par le mettre. Hein. Donc Parce que finalement, c'est Dieu est Dieu qui lui a intervenu. murmuré à l'oreille. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais fallait regarder vraiment les regards dépités des policiers qui lui disaient de porter son masque. Et il ne voulait pas. Et même la juge, enfin la présidente du tribunal, j'ai jamais vu ça. Hein. Je passe beaucoup de temps dans les tribunaux, mais un prévenu qui, à ce point, permet d'être aussi impertinent avec les juges, c'est assez rare. Et après coup, en fait, ça a été tout le temps ça. Il ne voulait pas répondre sur son identité parce qu'il jouait sur le mot d'identité. Il disait non, mais je ne m'appelle, oui, le nom donné à ma conscience, à ma naissance, est Laurent. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que je m'appelle comme ça. Il refusait de. Donc Enfin, ça dure voilà, c'était longtemps, se quoi. défendre. Ça traîne Ouais, les choses. c'était un peu. C'était un peu fastidieux, ouais. Il disait, mais on lui reproche des faits d'il y a 4 ans, mais pour lui, il n'est plus la même personne qu'il y a 4 ans, donc pourquoi lui reprocher aujourd'hui, D'accord. vu que le temps a Mais passé et que le passé est le passé. bon, Enfin, voilà. Donc ouais, ça, c'est pour le assez lunaire. personnage. C'était lunaire, J'invite les gens ouais. à fouiller sur la chaîne l'entretien que j'ai eu avec Stop Mensonge. En fait, j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui serait un petit peu tenté par cette thèse conspirationniste, qui n'aime pas les francs-maçons, c'est la preuve que dès qu'on s'attaque à eux, alors là, par contre, il y a procès, etc. Alors que on peut donner des conseils de santé qui vont tuer des gens et il se passe rien. Est-ce que c'est pas un petit peu. Alors, je force le trait, mais c'est étonnant quand même. Dès que les francs-maçons sont impliqués, paf, là, il y a procès et le mec va être condamné. Et dans d'autres cas, peut-être plus grave, peut-être. Il se passe rien. Est-ce qu'il y a une malfonction quelque part? Est-ce que vous, bon, vous c'est votre rôle de journaliste, hein. Je vous demande à vous, je suis désolé si vous êtes là, mais vous voyez un peu la logique qu'on a lorsqu'on est spectateur de ça? Alors, je comprends effectivement cette impression, mais je vois pas très bien quelle poursuite qui n'aurait pas existé, vous faites référence, en fait. Non, juste pour dire qu'il y a, y a d'autres propos chez Stop Mensonge. Pendant des années, on avait des trucs complètement délirants. Il y a des propos sur la santé qui sont gravissimes. On a Thierry Casasnovas qui, depuis des années, d'ailleurs, on a l'extracteur que je salue qui est peut-être dans le chat, qui a des problèmes parce que leur chaîne est strikée parce qu'ils mettent en évidence les propos passés de Thierry Casasnovas. Et moi, j'ai des témoignages de gens qui me disent que des proches à eux sont morts à cause de lui. J'ignore si c'est vrai, mais c'est des bonnes images qu'on reçoit. Et là, la justice donne l'impression de ne pas bouger. Les journalistes en parlent un petit peu. Tardivement, je trouve, et on ne voit pas, ou on n'est pas au courant d'enquête journalistique pour mettre ça en évidence. Donc, c'est vous que j'ai en face de moi, je suis désolé, c'est vous que j'alpague. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, quand c'est la franc-maçonnerie, il y a un procès? Peut-être parce que c'est plus facile à identifier, à caractériser et à mettre en justice. Sans doute que c'est ça la réponse. Mais quand on est dehors et qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des propos dont on voit qu'ils sont dangereux et qu'il n'y a pas de conséquences apparentes aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, parce que le problème, c'est qu'on se situe vraiment sur deux plans très différents, et vous avez apporté une partie de la réponse, qui est que, en l'occurrence, cette diffusion-là de documents internes à la franc-maçonnerie était le résultat d'un piratage. Donc déjà, sur le plan pénal, c'est déjà plus grave que juste des discours. Hein. On est quand même sur l'atteinte à la vie privée, Et détournement surtout, de c'est fichiers obtenus caractérisable frauduleusement. devant un tribunal. C'est ça le truc. Bah, c'est ça. Et le problème, c'est que quand on est sur des billets de blog, des billets de stop mensonges qui donnent des conseils médicaux insensés ou qui font l'apologie, j'en sais rien moi, des crimes des nazis ou qui, je dis n'importe quoi, hein, ou qui voilà, ont des discours complotistes. En fait, ces discours-là sont assez durs en général à réprimer. Le négationnisme, on sait comment le réprimer, mais les discours qui potentiellement pourraient porter atteinte à la vie d'autrui. Encore faudrait-il prouver que telle note de blog a fait en sorte que telle personne a ensuite eu telle pratique médicale. Et là, d'un coup, on rentre dans une chaîne de responsabilité qui est extrêmement difficile à remonter. Et je pense que tout ce qui pourrait être, on pourrait sanctionner ça par le biais peut-être du droit de la presse, enfin, des délits de presse, sinon sur la diffamation, sur l'apologie publique je sais pas moi, de terrorisme, sur les discours révisionnistes sur les chambres à gaz. Mais sinon, en vrai. On n'a pas les outils pour réprimer ça pénalement, vraiment. Et C'est là qu'il y a un hiatus. donc là, il faudrait avoir un juriste en face de nous et pas vous. Donc je suis encore désolé de m'en prendre à vous, hein. Mais Non, non, mais pas de problème. soit il n'y a pas assez de textes, soit ils sont pas utilisés comme il faut. Mais les gourous ont Et l'air de soit il n'y a pas de savoir. délit, soit vraiment il n'y a pas de délit. Oui, bien sûr, c'est aussi possible. Ouais, Parce que... mais. Alors du coup, pour revenir à Grimaud, qu'est-ce qu'il risque? Oui. Où en sont les affaires? Parce que du coup, il y a des plaintes. Je sais qu'il se vante constamment de gagner tous ses procès.
Je sais de source sûre, enfin presque sûre, que quelqu'un l'a attaqué en information et qu'il avait gagné, donc Grimaud avait perdu. Où on est, est-ce qu'on a des données sur son palmarès, sur son, en justice? Voilà. Oui, bien sûr. Moi, j'avais obtenu auprès du parquet de Paris quelques-unes de ses condamnations. Il avait notamment été condamné pour injure publique, me semble-t-il, à deux reprises. Grimaud, quand je l'avais interviewé, il s'était lui-même vanté d'avoir été condamné par le passé pour exercice illégal de la médecine. C'est lui qui me l'a dit. Mais alors, moi, j'ai contacté le parquet, le procureur de la République dans la juridiction concernée. Il n'avait pas été capable de me retrouver la condamnation. Mais apparemment, c'était assez ancien. Donc, c'était à cause de ça. Il a en ce moment, effectivement, plusieurs plaintes pour diffamation qui ont été déposées contre lui. Je sais qu'une de ces plaintes a été classée sans suite hier. Mais je ne sais pas ce qui a causé ce classement sans suite. Hein. Ça peut être aussi qu'il n'y avait pas assez de matérialité de la preuve. Ça peut être pas mal de choses. Je sais que d'autres envisagent de déposer plainte aussi, mais bon, les délais de diffamation, on risque généralement pas grand-chose, on s'expose à une amende, au pire, une peine de prison avec sursis. Mais vraiment, là, à mon avis, le gros qui l'attend, ça va être l'enquête de Bercy, l'enquête du fisc, ouais. Et éventuellement le fisc, ouais, je pense que c'est vraiment la chose qui pourrait l'inquiéter le plus. Mais aussi l'enquête de la Miviludes hein, qui est en cours. Ils sont encore en phase de récolte de preuves, de témoignages et de choses comme ça. Ouais. Donc, il faut attendre. Moi, je vais suivre ça de très près. Je publierai, dès que j'aurai des informations, des articles dans Marianne pour informer le public de ça. Mais, ouais, mais comme je disais, c'est très compliqué hein, de condamner quelqu'un pour des suspicions d'emprise sectaire. Hein. Il faut vraiment que ça se manifeste concrètement. On connaît hein, des patrons de sectes qui ont été condamnés, on connaît des patrons de sectes qui ont été condamnés pour, par exemple, parce qu'ils ont abusé de quelqu'un, mais par exemple, par le biais d'agression sexuelle ou de viol, hein, ça on connaît, ou parce qu'ils ont vraiment fait de l'extorsion de fonds et qu'il y a les preuves pour ça. Là, on n'est pas, bon, je crois pas qu'on soit dans des cas de crimes sexuels avec Grimaud, hein, vraiment. Hein. Mais en revanche, peut-être que des délits d'extorsion pourront être soulevés. Ne mettez pas des images en tête, s'il vous plaît, c'est assez atroce. Non. mais juste pour dire que voilà. Pour faire un bémol, c'est que heureusement qu'on ne peut pas condamner facilement les gens pour emprise mentale, etc., parce que sinon, la moindre personne qui aurait une parole qui dérange, elle pourrait, il y a des régimes sur lesquels ça se fait, et donc... voilà, pour dire que heureusement que c'est compliqué de condamner quelqu'un pour ce genre de délit, il n'empêche que on voit qu'il y a un temps considérable entre les moments où on voit les choses, où nous, sceptiques, on les voit en alerte, et le moment où les journalistes finissent à en parler, le moment où la justice en parle. Et pendant ce délai-là, il y a de la nuisance réelle, et quand ça touche à la santé, ce qui est souvent le cas, finalement, parce que Grimaud, lui aussi, en parle, et ça c'est étonnant, pour ceux qui n'ont pas lu votre article. Alors, il y a des gens qui vont perdre des années de vie, voire beaucoup d'années de vie. Ouais. Et du coup, c'est révoltant. Donc, on est même obligé de dire qu'il faut faire quelque chose de mieux. Mais évidemment, il faut pas que la justice soit expéditive. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Et de toute façon, la justice a un temps très long. Mais juste pour revenir sur ce que vous dites, ce serait intéressant qu'effectivement, vous qui étudiez énormément les discours, notamment sur Internet, où il y a vraiment beaucoup trop de choses pour que tous les journalistes puissent suivre vraiment ce qui se passe, ce ne serait pas inintéressant d'envisager peut-être des formes de collaboration entre journalistes et zététiciens qui pourraient un peu les épauler, les guider, leur proposer peut-être des idées de sujets comme ça de temps en temps, pour vraiment faire toute la lumière là-dessus. Typiquement, moi, j'aimerais que tous les journalistes, notamment du sud de la France, s'intéressent à Thierry Casasnovas, qui veut ouvrir une école. Il y a 400 témoignages de la Miviludes. Il y a des grandes sommes d'argent qui circulent. Et en plus, il y a un réseau avec d'autres gourous de l'hygiénisme, etc. Enfin, il y a vraiment des entreprises terribles. Et il y a surtout un mensonge de sa part totale sur son parcours personnel. Il a sa légende personnelle de comment ses pratiques, celles qu'il vend, lui auraient sauvé la vie, alors que l'extracteur a prouvé que c'est plutôt l'inverse, ça a failli le tuer. Il y a des mensonges, sans doute, sur son état de santé. Enfin, il faudrait faire sortir des infos sur son parcours personnel pour vérifier les choses, pour que les gens qui veulent l'écouter soient confrontés à des éléments qui ne sont pas uniquement des critiques, parce que nous, on est critiques, et après tout, qui en est pour critiquer, mais à des faits qui sont sourcés correctement. Et nous, on ne peut pas faire ce travail-là. Ouais. C'est pas notre travail, c'est pas notre champ de compétences. Et j'ai l'impression que c'est pas pris assez au sérieux, en fait, cette menace-là. Il y a des choses graves dans le monde, il faut que les journalistes s'intéressent à tout, mais ces sujets-là, que nous, on détecte et qui vont être de pire en pire, parce qu'on a vu ces gens-là prendre un pouvoir considérable pendant le confinement, parce que les gens qui commencent à se méfier des paroles officielles se dirigent vers des gens comme ça. Et le pouvoir qu'ils ont acquis, là, ils vont pas le lâcher.
et il ne va pas se réduire. Et on va avoir dans les années qui viennent les conséquences du pouvoir acquis pendant ce confinement et pendant cette zone où le pouvoir a maltraité les gens, d'une certaine manière. Les gens, en tout cas, se sont sentis maltraités. Et si les journalistes ne sont pas un petit peu amorcés sur ces thématiques-là et sur ces réseaux, que vous connaissez au moins un petit peu, vous, si vos collègues ne s'y intéressent pas, il sera trop tard quand ça va éclater. Et mon inquiétude, c'est que voilà, nous, on est là, on fait ce qu'on peut, on est pas forcément, peut-être qu'on fait ça mal en plus, mais on se sent un peu seul. Ah, mais je suis tout à fait d'accord que le confinement a eu un effet amplificateur sur les discours conspirationnistes, et notamment de la personne que sans doute que vous citez. Je pense que les journalistes s'en sont un petit peu rendus compte, mais on manque, il est vrai, de journalistes spécialisés sur ces questions-là. Et qu'il y a, c'est juste qu'il y a une carence en fait. Hein. C'est pas que les journalistes veulent pas s'y intéresser, c'est que soit ils connaissent pas, soit ils sont juste pas informés. Et là, le simple fait que vous en parliez, moi, ça me donne envie de me pencher dessus, vous voyez. Comme quoi, un jour, ça débouchera sur une enquête. Mais en vrai, ce sont des sujets dignes d'intérêt. C'est vrai que les journalistes qui travaillent sur les dérives sectaires, qui travaillent sur les discours conspirationnistes, il y en a pas tant que ça. Mais on voit que c'est une spécialité qui commence un petit peu à se développer. Je sais qu'à Marielle, on essaye quand même d'être présent sur la thématique, hein, pas que avec l'enquête sur Grimaud. Hein. Moi, j'ai pu faire des enquêtes sur des repentis du conspirationnisme. Puis généralement, je travaille sur les radicalités. C'est aussi une thématique que j'amène dans ce journal et qui ne les traitait pas forcément beaucoup, beaucoup avant. Et puis, c'est souvent des jeunes journalistes, hein, parce qu'il faut qu'ils aient grandi avec Internet quand même. Donc, c'est vrai que... Forcément, il y a un effet de filtre, enfin d'entonnoir plutôt. Ok. Est-ce que vous avez d'autres un scoop d'une dernière seconde sur Grimaud à nous révéler un truc qu'on ne savait pas, ou bien un autre gourou qui serait dans votre collimateur, ou quelque chose voilà, à dire aux sceptiques qui sont là, enfin, d'ailleurs dans le public qui nous suit maintenant, il y a aussi des gens qui suivent ce monsieur, des gens qui suivent qui nous suivent nous parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on fait, ils veulent garder un œil sur ce qu'on fait, donc ils vous regardent. Vous c'est le mot de la fin, là. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez à dire qu'on n'a pas dit ce soir, qui est important? Je pense qu'il ne faut pas croire Jacques Grimaud sur parole quand il dit qu'il a 175 ans. Je dirais qu'il faut avoir quelques doutes quant à son aspect physique d'aujourd'hui. Alors là-dessus, voilà, pardon, sinon, là-dessus, un truc à dire, c'est que... Pardon, je rebondis, je coupe la parole, mais je disais... parce que lorsqu'on écoute ces différentes versions, il raconte que son grand-père l'a amené dans un camion quand il était petit, il a emmené ses frères dans son camion en voyage, et que lui, il disait « Non, toi, je ne pas que toi, je te réserve d'autres choses. » Alors, s'il a 75 ans, quelle était la gueule du camion de son grand-père quand il était petit, je me demande, à l'époque. Et puis, c'est une charrette, on ne sait pas. Je ne sais pas trop, mais il est comme dit camion. Et dans quelle mesure est-ce qu'il prétend ou laisse entendre qu'il serait Fulcanelli? C'est ça, en fait, le truc. Alors là, oui, alors j'ai entendu ça, effectivement. Il y a des anciens, des repentis de son école qui me disent qu'apparemment, Fulcanelli, c'était lui depuis le départ. Bon, il avait bien caché la chose, mais... Non, j'ai pas vu Grimaud jeune? C'est vrai, on n'a pas de photo. C'est dur à imaginer Grimaud. Peut-être qu'il a toujours été comme ça, et ça fait 400 ans. Bon, mais très de plaisanterie. Sur les éléments, donc, il ne faut pas croire sur parole, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des conseils qu'on peut donner, ou un rappel de quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on pense à toutes ces choses-là? Je pense que la meilleure réponse quand on a affaire à des discours un peu scientifiques alternatifs ou hyper surprenants, c'est d'aller regarder ce que font les zététiciens et comment ils répondent comment ils répondent à ça, justement. Et sur Grimaud, tout a été en vérité, non mais enfin vraiment sur Grimaud, tout a été dit, hein, quelque part. Son discours a été complètement décrypté. Je pense qu'on a, avec le travail qui a été fait ces derniers mois, on a quand même bien montré à quel point il était dans une école qui pouvait être nuisible pour certains de ses disciples. Je pense que maintenant, on peut passer à autre chose. Entendu. Bon, et bien écoutez, donc le livre, c'est Les Grands Remplacés. Il y a un chapitre dédié à cette mouvance ésotérique. Le reste, c'est sur le sentiment des gens par rapport à cette pseudo-théorie, me semble-t-il. Un jour, peut-être qu'on fera un sujet, parce que beaucoup de gens y croient. Hein. Donc, s'ils y croient, il y a des raisons pour lesquelles ils y croient. Il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose. Bien sûr. Bon courage pour vos prochains sujets. Vous allez donc suivre le procès de M. Guinaud. Oui, mais c'est bon, c'est terminé. Donc là, je vais pouvoir écrire l'article. Il sera dans Marianne. Donc, on a la sentence ? Non, on n'a pas encore. Non. Ça a été mis en délibéré. Il y aura une sanction qui sera prononcée un peu plus tard. D'accord. Donc, on reste à l'écoute. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Vous pouvez
soutenir la Tranche en Biais et l'Astec, qui est une asso qui chapeaute le projet, en faisant des dons sur HelloAsso, sur Tipeee. Vous avez le lien dans la description. C'est grâce à vous qu'on peut avoir le budget d'acheter quelques burgers pour l'équipe, parce que voilà, ce soir on va manger des burgers, donc cette débauche d'argent, c'est à vous qu'on la doit. On n'a pas de bijoux comme Madame Grimaud ou d'autres coutures ou d'hôtels de luxe, mais on achète des burgers, donc ça, il faut qu'on l'assume. On vous donne rendez-vous pour le prochain, j'ai oublié, ce sera le 10 février, je crois. D'ici là, portez-vous bien, soyez sceptiques, faites attention à ce que vous acceptez de croire. À bientôt. Les bons, les écorantins, c'est ok. J'ai pas vu le micro. Alors bonsoir les gens, c'est le générique. C'est le générique, c'est la fin du générique. Au revoir les gens, c'était super. Waouh. Faut qu'on trouve un code, hein.